Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment interroger une base de données avec WHERE et OR. Alors pour faire ça, j'utilise une base de données qui s'appelle InfoAni, qui contient une table animale, donc qui contient différentes informations. Alors, nous on va regarder par exemple le type des animaux. Donc les animaux, ça peut être voilà, mammifères, oiseaux, etc. Donc on va regarder pour commencer qui sont les marsupiaux. Donc quand on fait ça, voilà, donc on a trois marsupiaux, donc on affiche leur nom, et donc avec un WHERE. On pourrait aussi de la même regarder, de la même manière, on pourrait regarder par exemple qui sont les, tiens, les amphibiens. Hop, hop, voilà. Et donc maintenant, si on veut regarder les animaux qui sont soit des marsupiaux, soit des amphibiens, l'un ou l'autre, c'est là qu'on va utiliser un OR. Donc on va rajouter un OR, donc on va complexifier notre condition avec WHERE. Donc c'est soit cette condition-là, soit c'est cette condition-là. Donc je la remets là. Et là, quand on fait ça, donc on obtient nos animaux qui sont soit des marsupiaux, soit des amphibiens. Donc on a un OR, c'est l'un ou l'autre. Dès que l'un ou l'autre est vrai, on obtient notre résultat. Bon, on a fait le tour. Pour le bonus, ouais, tiens, allez, hop, on peut faire aussi, il y a une requête alternative. Quand on est comme ça, c'est avec l'opérateur in. Donc on va donner un ensemble. Voilà, on va dire voilà. C'est une autre manière d'obtenir le résultat. On va dire voilà, je voudrais que l'animal type il soit compris dans amphibien ou marsupial. Donc avec voilà. Écoutez, bah sur ce, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.